Ono si pere e che disse ieri, cosa sua sì, purché lui sua io sa, che lui sua io è, che il suo giorno avevo e avevo sì. Sempre lo so sa, posso dire che non sono sempre lì, se è stata disse, pure la benedizione. Le per base della novità quotidiana, onorio, e dove tiene, e aumentò che le prime di lavoro del sonno. Il moyen di subsistenza essenziale, source de force, objet de partage fraternelle, dans la prière que le Christ ressuscité, celui qui s'est engagé avec ce disciple comme le Père de vie. Le Père résume tous les dons qui nous sont nécessaires. Et le Seigneur nous donne cette nourriture et nous allons prier le Seigneur qu'il puisse descendre la bénédiction, qu'il puisse aussi exaucer nos prières. Prions le Seigneur, Dieu qui manifeste sa toute puissance et sa bonté partout sur la terre, confie à son Église la bénédiction des choses, même des petits, des malheurs, pour que ceux qui sont suivis serviront dans un esprit de piété puissent recevoir la grâce, la force, la vie de toi, Seigneur, toi qui viens régner pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose tout d'abord d'écouter la parole de l'Évangile sur la résurrection du Christ, parce que celui qui est la vie, celui qui donne la vie, qui enrichit cette nourriture aussi avec la vie. Je choisis l'Évangile qui est prévu pour Pâques, selon Saint Jean, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau des grands matins. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on est venu le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les lèvres se sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit le linge posé à plat, ainsi que la sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec le linge, mais le à part à sa place. C'est alors contre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il dit, et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas
che selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, louons à toi, Seigneur Jésus. Je précise la résurrection du Christ, que nous allons célébrer après avoir traversé les temps des 40 jours de carême. C'est juste le carême, le dernier jour qui arrive aujourd'hui. Et l'Église désire qu'on se réunisse aujourd'hui, qu'on arrive avec le pain, avec la nourriture, la viande, les œufs et toute nourriture que nous allons partager tout d'abord en famille, qui est le don de Dieu, qui est le signe de la vie, parce que le Seigneur s'est nourri, il nous a laissé de son corps et son sang dans l'Eucharistie. Il voulait aussi qu'on se nourrit de cette nourriture que nous préparons avec nous-mêmes. Le Christ est mort, mais le Christ est ressuscité et aussi il a sa vie éternelle de ressuscité entre aussi dans cette nourriture que nous avons déposée ici pour la bénédiction. Nous allons implorer au Seigneur que cette nourriture soit le signe de l'amour de Dieu envers nous et de nous en Dieu. Que nous puissions partager avec amour ce que nous recevons de Dieu, pas seulement avec ceux qui nous sont chers, mais avec ceux qui manquent de pain, qui manquent d'une nourriture, qui manque des choses essentielles pour la vie. Alors, le pain que nous recevons, c'est le pain que Dieu a créé pour nous et les hommes. Tout d'abord, à l'Ancien Testament, il a fait nourrir les gens sur le désert. Ensuite, le Christ, agneau de Dieu, qui a vaincu et les mâles, qui a vaincu les péchés, il voulait qu'on se serve de la viande, de charcuterie, de toute la nourriture qui vient de la viande, et que nous partageons à cette fête de Pâques, en signe aussi de notre victoire sur le péché, sur le mal, que nous soyons aussi lavés par le Christ. Et ensuite, le zèle que nous apportons aussi, c'est significatif, parce que c'est signe de la vie. Dieu a voulu que la vie continue en famille, parmi nos cieux et parmi ceux qui nous rencontrons. Il donne aussi cette force, cette bénédiction, cette grâce, quand on mange le sang. Nous allons prier le Seigneur qu'il bénisse cette nourriture que nous avons apportée. Mais avant de venir, je vous propose encore de chanter un petit chant.